Bonjour, je m'appelle Yaakov Habergen. Je suis né à Toulouse et je vis ici en Israël, à Jérusalem. Là, ici, je suis dans une galerie à Ranana pour exposer des tableaux que j'ai peints depuis quelques années déjà. Et bon, c'est un aperçu, c'est difficile de toujours se limiter à quelques tableaux parce que c'est jamais vraiment l'expression de tout ce qu'on a envie de dire et tout ce qu'on a envie de montrer, mais bon, c'est peut-être déjà un aperçu de mon travail. Moi, ce qui m'a intéressé ici de montrer à travers ces tableaux, c'est de montrer en fait que mon intérêt pour des personnages simples, comme un porteur d'eau ou des mendiants, et pour exprimer le fait que dans une société où on montre beaucoup de superficialité, et dans une société même où on attend le machiar, et en fait, le monde, il semble, il ne met pas l'accent, à mon goût, à mes yeux, sur le fait que, ce qui est écrit dans la Guémara, qu'on dit par exemple que le machiar, il s'assied au milieu des pauvres. Et je ne sais pas si c'est l'idée que se font les gens du machiar, en tout cas c'est l'idée que moi je fais, c'est quelqu'un qui s'assied au milieu des pauvres. Donc c'est pour ça que le lien avec ces tableaux, le lien c'est de montrer des personnages qui sont pauvres. Et ce n'est pas évident parce que ce sont des gens en général très pudiques et qui c'est difficile de les rencontrer. Mais disons que c'est ce que j'ai recherché ici. Ce n'est pas seulement de montrer le visage du rabbi, de peindre le portrait du rabbi, ou de montrer la grandeur de la Torah à travers des images imposantes, mais au contraire de montrer la grandeur de la Torah par des personnages qui sont dénués de superficialité, des personnages simples. Et comme... Enfin, pour moi, le mendiant, c'est vraiment l'image type de ce que j'aimerais peindre, de ce que j'aimerais exprimer, quoi. Sholoim aleichem, malachei ashores, malachei elyoi. Mi yimelech, malachei hamlochim. Donc, ouais, c'est vrai qu'ici, quand même, on peut voir des portraits des Rebbeim, comme ici le Rabbi Rachab. Et donc c'était le père du Rabbi Rayatz. Rabbi Rayatz, c'est le beau-père du Rabbi. Bon, ce sont des portraits de Rebbeim. C'est clair que ce n'est pas un sujet qui est facile, puisque ce sont des personnages saints. Donc il faut, même le Rabbi lui-même, il disait que pour peindre le Rabbi, il fallait soi-même être saint, soi-même avoir de la Kedusha. Donc c'est clair qu'on ne peut pas réussir à peindre le rabbi si on n'est pas soi-même dans les sujets de sainteté, si on n'essaie pas de se sanctifier soi-même. Ici, ce tableau, c'est le portrait donc, du Rabbi Rayatz. C'est donc le beau-père du rabbi. C'est une photo qui m'a beaucoup impressionné quand je l'ai vue. Bon, c'est une photo qui est en noir et blanc. Donc tout mon travail, en fait, c'est de trouver les couleurs. Évidemment, de trouver... J'ai eu beaucoup de mal avec le visage du rabbi. Parce que c'est souvent, ils sont pleins de profondeur. Le Rabbi Rayatz, c'est quelqu'un de très 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 profond. Et c'est très difficile de pouvoir regarder, moi je dirais simplement. Vous savez, on dit que moi, quand j'ai commencé à apprendre à dessiner, la première leçon que j'ai prise, on m'a appris que pour savoir dessiner, on apprenait d'abord à regarder. C'est ça la peinture. Et en fait, il y a des artistes qui ont dit que peindre, en fait, c'est représenter ce qu'on ne voit pas. Alors ça, c'est un portrait donc, du Rabbi quand il est arrivé aux États-Unis, en Amérique. Et il est devenu, peu de temps après, enfin là, il était déjà Rabbi. Et donc, il devait avoir à peu près une cinquantaine d'années. Et ce qui est intéressant aussi, je vais vous dire, ce qu'il y a d'intéressant ce tableau aussi, c'est le fait que là, on voit qu'il venait de faire Netilat Yadayim, je pense. Je sais qu'une fois, il y a un peintre qui a dit que de voir une exposition de peinture, c'était une rencontre. C'est-à-dire que de voir un tableau en vrai, c'est pas la même chose quand on voit un tableau en vrai que quand on le voit sur une image.
Aujourd'hui, en plus, à notre époque, on voit tout sur l'ordinateur, on ne bouge pas de son siège. En tout cas, je pense qu'on passe à côté de cette rencontre-là. Je pense qu'un tableau ou une peinture, en fait, celui qui aime la peinture, il ne peut pas être satisfait s'il voit une peinture, s'il voit pas la peinture en vrai. En tout cas, si vous avez envie de voir ces tableaux et voir ces peintures, réellement, c'est une exposition qui est à Ranana jusqu'au 26 juin, avec la maison HM. Et vous verrez notamment ce portrait du Rabbi.